Yo, tranquille ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensia Awakening. Et aujourd'hui, on va aller sur le nouveau portail qui est apparu. Donc ce portail est très spécial parce qu'on peut avoir dessus un S que l'on n'a pas encore renseigné dans le codex. Donc dans mon cas, je les ai tous à part Shion et Yoga Pog. Donc ça va être plutôt pas mal. Alors j'espère Yoga Pog, ça fait très longtemps que je veux, j'espère vraiment que je vais l'avoir. Même si je l'ai bientôt aux éclats. Voilà, ça ferait plaisir de l'avoir. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je vois que vous êtes beaucoup sur la chaîne à regarder les vidéos et à pas vous abonner. Bah, n'hésitez pas, surtout en ces périodes douloureuses de confinement. Vous aurez besoin d'un petit divertissement et je serai très heureux de vous l'apporter à ce niveau-là. On a tout qui est prêt là. On a la petite bouteille de survie. On a la couverture de survie derrière. On a tout ce qu'il faut pour les lives, pour tout. Du coup, ce petit portail, comme je vous l'ai dit. Moi c'est surtout Yoga Pog qui m'intéresse dessus. Alors on va aller voir mon codex directement ici. La maintenance a duré plutôt très longtemps. D'ailleurs on va voir un peu maintenance compensation 200 diamants et 100 d'énergie. Ok, on a eu ça, bon. Ok, on va voir ce que ça va donner hein. C'est vrai que ça a duré très très longtemps pour une maintenance. Donc dans le codex, comme vous voyez, alors AD c'est un SS, donc il n'est pas dans le portail. On a Shion et Seiya n'est pas compris dedans. Il y a Saga aussi qui a été ajouté, je viens de le voir, donc Saga sera sûrement le portail de la semaine prochaine. Mais nous, ce que nous visons, donc c'est Pog ici. Mayora non plus, on peut pas l'avoir dessus, donc ça va être soit Pog, soit notre petit Shion. Alors on va lâcher, on va lâcher sans invocation en espérant l'avoir. En espérant avoir un S, ça y est, sachant que c'est un S, faut avoir un S pour avoir un S qu'on n'a pas, hein. Forcément, sur un taux de 2,5%, on n'est pas assuré en sans invocation d'avoir ce que nous voulons, mais bon. C'est vraiment un bon portail pour le coup, surtout, enfin, c'est un bon portail s'il vous manque genre 3 unités, honnêtement, qu'il y en a une que vous voulez vraiment dedans, il y a des Ikki God Close qui est très puissant, il y a plein de persos qui sont très bons, mais s'il vous manque genre 4-5 persos, honnêtement... Je pense pas que ça servira à grand chose, surtout si vous avez des persos comme Pandore, des persos qui servent plus trop. Enfin, Pandore peut toujours servir évidemment, mais c'est pas le perso qu'on veut le plus. Donc faites assez attention à ce niveau-là. Ça reste un très bon portail. Donc j'ai 875. On est censé s'arrêter à 775 en espérant qu'on ait un S entre temps. Et on va faire comme d'hab, on va alterner entre les singles et les nukes. Pour la constellation, écoutez. On va aller sur mon signe astrologique, je pense aller Sagittaire, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop, il est juste là. On va commencer avec une multi du coup. La multi. Alors je vais attendre que la bannière passe. Comme ça, on sait pas, on n'est pas spoil parce que c'est trop chiant. Vous voyez. En gros, s'il n'y a pas de bannière qui passe entre temps. Et que on lâche une multi, et ben on sait pas. Enfin, on sait justement si on a un S ou pas en fait, parce que la bannière directe apparaît ou n'apparaît pas, donc c'est un peu relou. Ok, je crois pas qu'il y ait des éclats sur ce portail, forcément, vu qu'il n'y a pas de perso en vedette. Alors, c'est normal, hein. Entre guillemets, c'est normal. Ce petit pack là, on le prendra juste après, faut pas que je l'oublie. À savoir aussi que le portail ne reste que 2 jours, si je me souviens bien. Donc dépêchez-vous d'invoquer cette vidéo, je la sortirai le jour même, si tout va bien. Je suis en télécours, mais bon, vous connaissez, une petite pause par-ci par-là, tac tac, on enregistre une petite vidéo, on a la fibre, hop, on upload, on fait le petit montage et c'est parti. Bon, honnêtement, si j'ai Shion, je vous dis la vérité, je serais pas mécontent. Mais je préfère avoir Pog, même si je suis à 18 éclats de la voix. Un doublon c'est toujours très bon, surtout que c'est un perso qu'il faut beaucoup monter, qui demande beaucoup de tomes. J'ai déjà tout préparé pour le monter. Bah vous voyez là par exemple. Voilà. Bon là il y a la bannière de quelqu'un d'autre, donc je sais pas si j'en ai un ou j'en ai pas. Mais bon, nice. D'accord. Bon, on a eu Shion. Un peu déçu, je vous cache pas que je suis un peu déçu. Dans le sens où, j'aurais préféré Yoga Pog. C'était une chance sur deux, malheureusement. Bon, du coup, me voilà avec Shion.
C'était celui-là que je voulais le moins des deux, mais au moins ça me permettra d'avoir le perso avant de l'avoir au shard, parce que sachant que j'avais 60 shards de chou, un truc comme ça, alors que Yogapog il m'en manque qu'une vingtaine. Ça va aller plus vite pour Yogapog en espérant que la guilde coopère et file des éclats, je l'aurai d'ici une dizaine de jours. C'est un perso que je veux beaucoup, donc je suis vraiment très pressé de l'avoir. Chion, du coup, bah, je pourrais demander les éclats d'AD juste après, donc c'est pas si mal que ça. Et en plus, on a eu un S en 25 cristaux, donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors ma foi, ça sert à rien d'invoquer plus sur ce portail, sachant qu'il n'y a ni éclat. Je suis pas sûr, je crois qu'il n'y a même pas de remboursement, s'il y a un remboursement. S'il y a un remboursement, voilà. S'il y a un remboursement. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que ça sera tout pour cette vidéo invocation. Ça sert à rien d'invoquer plus. J'espère que vous allez drop le perso que vous voulez. Et oula, ça, j'espère que c'est pas le virus, ça. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao, les frérots.